je recevais de messages. De messages. De messages. Bonjour papa. Papa Mbote. Bonjour papa. Mbote papa. Je calculais pas la personne. Des appels. Bambela. Je répondais pas. Depuis le mois de janvier. On est arrivé au mois de juin. Tellement que la personne appelait, écrivait, embêtait. Je dis bon, je vais répondre. Je dis à mon petit frère qui était à Dubaï, je dis réponds à cette personne. Qu'est-ce que cette personne veut encore? Oh non, je vais voir les pasteurs. Daddy, je vais le voir. J'ai dit, elle m'appelle encore Daddy. Oh, ça c'est un miracle. Daddy. Moi je pensais j'étais tueur en série. Après, Daddy. Après, je dis bon, je vais répondre. Après, j'ai répondu, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Daddy, papa, je suis quand même ta fille, non? Dit, oh, c'est vrai. Il y a solo. Ah, ok, j'avais oublié. Après, je dis, qu'est-ce que tu veux? Je dis, moi, je t'ai déjà pardonné. J'ai pas de problème avec toi. Si Dieu t'avait choisi pour m'humilier, gloire à Dieu. Il y a des moments dans le ministère où toi-même tu comprends pas, tu vois. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Il peut utiliser n'importe quel moyen, même. Quand c'est dur, quand c'est honteux, Dieu peut l'utiliser pour t'enseigner, tu vois. Et moi, je dis, attends, moi, j'ai pas de problème. Et toi, et toutes les personnes derrière toi, je veux même pas connaître. Mais ça, vivez en paix. Non, Daddy, je vais te voir. Je lui ai dit, mais viens à l'église. Elle m'a dit, je vais venir à l'église, mais pas un jour des cultes. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, ok, on va trouver un jour où il n'y a pas culte. On était avec Eva ici, il était là. Et puis, c'était un soir. La personne est entrée. Toutes les personnes à mes côtés étaient fâchées contre moi. Tout mon bureau, Bakangi Singa ennemi. Bakangi si pasteur ennemi. Le pasteur Makambo Salaka vraiment. Pasteur Ozoemba Batumso vraiment. Pasteur vraiment, tout souffrir peut mingi. Pasteur, yo, tout monion dirait Kimia na yo, te kango na Zigida, pasteur. Oui, Kimia na te kango na Zigida. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la personne était là. La personne parlait. Et j'ai posé une question. J'ai dit, l'objectif de tout ce que vous avez fait. Dit, non, tu vois, la personne qui m'avait dit de faire ça, c'est tel pasteur là. Puis les gens étaient venus. Ils m'ont dit que Moïse Mbia, il a beaucoup d'argent. Je lui ai dit, vous aviez fait ça pourquoi? Elle m'a dit, c'était pour l'argent. J'ai dit, ok. Je lui ai dit, tu es heureux, ça va? Non, je n'ai rien. Je suis sorti de cette affaire. Je n'ai absolument rien. Je ne suis plus en paix. Je sens que j'ai gâché ma vie. Tu vois? Et quand elle est partie, je me suis dit, en fait, c'est comme Rahab. Le col arabe. On pouvait demander à Rahab de livrer quelqu'un. Mais la sagesse des Rahab, c'est qu'elle a vu demain. Je peux livrer ce monsieur. Mais Jéricho va tomber dans cette joue. C'est-à-dire, cette petite gloire que j'aurai ne va pas durer. C'est buzz sur Internet. Ça va passer. Et tu seras face à la réalité. Tu commences à chercher Nzani Nabimela. Il y a des gens qui ne voient pas loin. Qui sont prêts à tout. Et après, ils regrettent. La chose que Rahab a fait, elle a regardé entre un succès, un poste, de l'argent pour 7 jours. Et que je sois sauvé. Et regardez comment Dieu fait les choses. Le nom d'Érabe est revenu jusque dans Matthieu.